Mon idée pour 2015, ce serait que l'État respecte la loi qu'il a lui-même portée, dictée, établie. Et j'ai deux exemples précis. Le premier exemple concerne l'inconditionnalité de l'accueil dans les structures d'hébergement. La loi impose l'inconditionnalité et de plus en plus de préfets imposent aux associations de mettre en œuvre un certain nombre de conditions qui excluent des publics. Premier exemple. Deuxième exemple de ce respect de la loi, les demandeurs d'asile, dans la loi, ont le droit de travailler sous certaines conditions. Les représentants de la loi et les préfets, en particulier dans la plupart ou la quasi-totalité des régions de France, interdisent la mise en œuvre de cette loi et interdisent aux demandeurs d'asile de travailler, ce qui serait extrêmement bénéfique pour les personnes elles-mêmes, bien sûr, ce qui serait également bénéfique pour le budget de l'État, puisque ces personnes travaillant coûteraient moins cher à la collectivité. Donc voilà mon idée nouvelle, elle n'est pas très révolutionnaire, mais elle aurait un certain caractère de nouveauté.